Salut les vilains! Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur le Uncharted Drake's Fortune. Hélène, ça va? Hélène? Ok, c'était, je sais pas, je regardais dans une direction qui lui plaisait pas trop. Et bien c'est parti, on récupère directement une petite AK-47, des munitions, j'ai envie de te dire. Alors attends. C'est parti, hein, tu commences, ça y est, il y a des ennemis. Ok, oui, bon. Ah mais en fait j'aurais bien aimé avoir le temps de me réveiller, tu vois. Là je me lève, je fais mon petit épisode Uncharted. Tranquille, tu vois, la journée est normale. Sauf que, voilà. Sauf que non, je... Ok. Non mais là sérieusement j'ai la tête dans le cul les gars. Et je commence, il y a 3 milliards d'ennemis. Ça va pas le faire. 3 milliards d'ennemis avec des lance-patates, des patates tout court aussi. C'est quoi, on va devoir faire un petit rush. Parce que je commence à m'énerver ces salopards là. Ah je vais leur apprendre. Vous me faites perdre mon temps là. Oula. Ceci n'était pas la bonne direction. Toi, je te prends au cac. Voilà. On ramasse des munes. Ouais, je crois qu'il va falloir se laisser tomber dans le trou. J'espère que c'est ça. Ah non, ça peut pas être trop ça. Non, non, pas du tout. Ok, c'est par ici. Et il y a un pont. Ok. On va reload, hein, parce que... Pourquoi il marche lentement comme ça? Comment un truc pareil a pu arriver? Tu vois ces traces? Apparemment, quelqu'un a mis assez de poudre à canon ici pour tout faire sauter. Fais attention. Certaines de ces planches sont carrément pourries. Elena, j'y arrive pas! Donne-moi ton autre main! Il faut que tu la lâches! Mais merde! Tout va bien. Allez. Ça va. Eh ben, elle nous aura fait chier pour rien. Alors, ça y est, on a perdu la cam. Bon, personnellement, à sa place, je l'aurais balancé, tu vois, sur le pont. Elle aurait levé le bras 2 secondes, bim, elle l'aurait lancé, au moins elle l'aurait test. Non, c'est bon, bah allez, hop, on va lâcher la cam. Bon, après, j'ai envie de te dire, dans des moments panique comme ça, tu réfléchis pas trop. Oula, bon, j'ai cru que j'allais mourir. Hélène, tu peux me suivre? Ouais, elle y va. Hein. Ok. Ah, par contre, j'ai l'impression qu'il y avait 2 chemins. J'espère que j'ai pris le bon. Oula. Ceci était un big fail. Non, oh, putain, il avait un colt. Oh, il est où? Non, moins faire le malin quand tu vas te prendre une balle de colt, tu vas voir. Comme ceci. Allez, let's go. Là, on peut rush. On a l'arme qui one shot. D'ailleurs, ça me fait penser, pour les petits joueurs de Counter-Strike, ça a dû bien vous amuser. Pareil qu'il y a une nouvelle arme qui est sortie, c'est un colt qui one shot dans tous les cas. Voilà. Peu importe le mode de jeu, peu importe ce que vous voulez, et peu importe où tu tires, bah, il vous one shot. Je crois que Valve, d'ailleurs, l'a patché assez rapidement. Moi je joue pas à Counter-Strike, je sais que je l'ai acheté, hein, j'ai acheté CSGO. J'ai pas... Ça va les bugs? J'ai vraiment pas accroché au jeu, j'ai pas compris pourquoi il a eu un tel succès. J'ai l'impression de jouer au FPS le plus basique du monde, c'est-à-dire il y a rien quoi. Les graphismes sont plats. Le gameplay, bah, c'est un gameplay d'un FPS. Et les armes... Cette rivière devrait nous mener au monastère. C'est les armes quoi. Voilà. J'ai vraiment pas compris. Après j'aurais pu y prendre du plaisir dessus, mais je sais que... Ah oui, c'est vrai que c'est cette touche. Moi et les jeux de tir sur PC, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. À contre-courant. Bon, au moins ça me permet d'aller un peu moins vite. Mais là c'est la galère. C'est mon passe. Oh là 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 là. Hey, ce truc, il est incontrôlable. Hein. Vraiment, je vous le dis. C'est...
le truc le plus dur que j'ai eu à piloter dans le monde du jeu vidéo, c'est ce machin là. Oh là 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 là. Putain non! Mais je l'ai raflé quoi, c'est quand même des putains de tonneaux métalliques là, de barils ouais. De tonneaux métalliques. Enfin merde. Si je les rate, il va pas péter quoi, c'est pas des mines non plus. Alors attends. Wow. Alors, en fait j'aurais préféré qu'on soit pas contre-courant parce que là. Alors du coup, Hélène. Ah elle a plus son lance-patate, elle a plus que le petit flingue. Voilà. En tout cas, c'est bien plus stylé comme ça. Hop. Je sais qu'il y en a un autre là-bas, ouais. Quand même plusieurs. Ok. Let's go. Oh, bâtard. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Il est trop stylé le flingue d'Hélène là. Où est-ce qu'elle a trouvé? Attends. Oh là là là, sale cul. Ok, ça pète. Fais bien attention. Je crois que c'est un cul-de-sac hein. Ouais c'est un cul-de-sac, fallait aller où il y avait l'ennemi en fait. Attends, si j'arrive à reculer. Ceci, hop, hop, par petits à-coups hein. Attends. Voilà, vas-y. Mets-toi là, non? Ah non, bah non, pas du tout, c'est un cul-de-sac là, aussi. Et il faut aller où alors? Parce que si je continue par là. Ah, là. Ok. Si je vais là maintenant, qu'est-ce que je fais? Il n'y a que ce petit passage là, mais il veut pas y aller. Ah si, ok, fallait vraiment forcer au milieu. Oh, oh, putain, close. Il y en a un autre là, je l'ai vu. Non, j'ai dû rêver, ok. C'est bon. Ah, c'est dur. Oh putain, j'ai vraiment l'impression de le pousser le jet ski quoi. Quoi, ça me fait plaisir de crever, voilà. Merde. Merde, 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 mais attends, mais ils sont trop précis là. Heureusement qu'on a balle infinie dans le champ. Mais wesh! Ils sont à 3 km, ils nous placent toutes leurs balles. C'est pas sérieux là les gars quand même. Va falloir leur foncer dessus parce que. De toute façon, plus on est loin, plus ils ont de la chance de nous toucher en fait. Attends. Ils nous touchent à chaque fois, c'est impressionnant. Voilà, hop. J'adore le chargeur infini, tu sais. Voilà. Par ici. Ok. Qu'est-ce que tu essaies de faire, toi? Mauvaise idée. Hop. C'est bon. Elena, tire sur le baril. Mais quel baril? T'en vois un? Bah non. Moi j'ai déjà tiré sur tous les barils qu'il y avait. Ok. Let's go. On est en mode Infinity Ammo à la Solid Snake là. Hop. Putain. Ok. Et là on passe ou pas? Je crois qu'on a pas le choix. Hein. Allez mon petit jet ski, tu peux le faire. Mais normalement quand il y a des cascades comme ça, si ça tombe abruptement, je sais pas si ça se dit, c'est qu'il y a des rochers. Donc techniquement là, notre jet ski il est mort, il touche même pas l'eau. Il se plante. Et bon. Après, ça c'est de la logique. Les jeux vidéo ils en font ce qu'ils veulent. alors attends. Oh putain, c'est bon, ça passe à côté. Combien de stocks de barils explosifs vous avez sérieusement? Arrêtez là! Et cette cascade elle s'arrête plus! Non, c'est bon, passe à côté. Wow! Il y avait un ennemi au lance-patate que j'ai raté. Non, c'est lui! Qu'est-ce que tu cherches à faire? Oh là là! Oh là. Putain, non! J'ai failli dérafler le baril. Putain, mais avance! Voilà. Fonce, parce que là, déjà on a esquivé une patate à la seconde là. Run, petit jet ski. Putain, ce truc est incontrôlable. Ok. Putain,
Putain, là je prends une balle, je décède. Hein. Yes! C'est vraiment pas passé loin. Merde. Allez! C'est pas bon, c'est bon. Est-ce qu'il faut. Ouais, il faut se mettre là, alors attends. Si je me mets pas exactement sur le ponton, ça va pas le faire. Ok. Merci. Tout va bien? Ok. Allons voir dans ce monastère ce qui se passe. Ah ah, 13e chapitre sanctuaire. Point d'interrogation. Est-ce que ce 13e chapitre va nous porter chance ou malchance? J'ai déjà ma petite idée. Voilà, la bonne idée. Je les avais vus en plus, ces ennemis à travers. Il a fait l'entrée la plus discrète du monde. Oh putain, j'ai plus de balles. Viens là, toi. Voilà, et donne-moi ton flingue. Nouveau Jojo. Ah, qui c'est qui a parlé? Nouveau Jojo, ouais. Donc, je sens mal cette cascade là. On va prendre le pont. Ce qu'il faut certainement faire. Hop. Ouh là là, ça a vraiment pas l'air rassurant. Hein. Tu la vois là, la bonne malédiction aztèque. Ok. Ce vandale, lui. Il est dans un temple ancien. Bim! Qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il y a eu des installations. Regardez, ils ont rajouté des barres métalliques. Tu veux? Un des hommes dédiés pourrait nous attendre. Allez! Ces clowns ont disparu depuis un bout de temps maintenant. Oh mon dieu! C'est dégoûtant! Oh, si seulement j'avais ma caméra. Ça veut dire quoi? Que les Espagnols ont posé des pièges sur l'île pour protéger leur or? C'est pas l'œuvre des Espagnols. Regarde les pics de plus près. Bon sang, mais je rêve! Ça vient de notre avion. Attends, ça n'a aucun sens ce truc. Pourquoi est-ce que quelqu'un poserait des pièges alors que ses propres hommes sont sur l'île? Justement. Quelque chose est venu depuis la pause. Quelque chose ou quelqu'un? Attends, tu penses Chut. Que... T'entends ça? J'entends quoi? Rien. Absolument rien. On nous observe. Observe? Bon, tu sais quoi? C'est sûrement rien. Faut juste partir avant de tomber sur ce qui a réduit ce type en charpie. Ok. Je vois, c'est bien rassurant tout ça. Ouais, je le sens. Je sais pas, je sens le zombie aztèque surentraîné qui construit des pièges, tu vois. Un délire comme ça. Oh, 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 non! Non! Non, arrête! Truand! Oh non, 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 mais là c'est plus possible, ça y est. Ok, 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 ok. Ok, bon. Vas-y, viens par ici, là, je vais t'apprendre. Mais crève! Mais il va crever! Mais crève, bordel! S'il te plaît, mec! Quand même! C'est quoi son flingue là qui avait un laser? Déjà un flingue tout à fait normal. Toi, t'es en train de me rendre fou! Oh là là, il y avait des ennemis partout! Hein, devant, derrière, à gauche, à droite! Où tu veux! Ils étaient tous là! Et Hélène, tu crois qu'elle m'aide? Mais non! Bien sûr que non! Alors attends. Il est où le mec avec son putain de laser là? Tu vas te calmer direct. Direct, j'ai dit. Mais quoi? Il m'a eu en 1v1. Je lui ai calé toutes mes balles. Non, mais attends, là c'est pas possible. Là tu te paies ma tronche quand même. Soit c'est des mastodontes dissimulés parce que. Là je viens de te mettre une balle dans la tête et t'as qu'une casquette. T'es supposé mourir, voilà, comme ça. Alors, attends, parce que le mec au laser. Ils sont des viseurs infrarouges. Toi. Bah voilà, quand même. T'as un minimum. Ton arme, elle est là. Ah bah c'est l'arme de KVLN, non? J'ai l'impression que c'est ça. Ah non, oula, c'est un Desert Eagle. Ça one shot ça. Oh non. Ouais bah oui. Ça c'est puissant. Par contre moi j'ai pas le droit au viseur laser hein. Allez dégage. Ok, on commence à tomber sur des soldats d'élite. Ah ouais, ils ont des... En fait, les soldats d'élite, ils ont les armes américaines, tu vois le genre.
C'est-à-dire tout ce qui est... tout ce qui est AK-47, petit flingue de merde, voilà. Dès que c'est du Desert Eagle, de la M4, tu vois, les trucs bien américains, tu peux pas te tromper. Bien loin. Ah, ça défonce, là. Donc, du coup, pas ici. Évidemment, quelle est l'autre arme qui défonce? Ben, c'est le revolver, hein, le revolver de cowboy. Ah là là là, ces américains. Ils me feront toujours bien rire. Je t'écoute. Je veux que la bibliothèque soit sécurisée. Les laissez pas approcher Sullivan. Bien sûr. Ils ont laissé le vieux dans la partie est du complexe. Je me demande bien ce qu'il fout avec eux. Ce salopard a aucune parole. Eh oui, on s'est bien fait trahir par celui, y a aucun doute, hein. T'es pas mort. Vas-y, vas-y, sors ta tête. Voilà, dégage. Ça va faire mal. Let's go. T'es un laser. Oh là là, mais d'où tu sors, toi? Bonjour. Je suis Sangoku, téléportation. Et je me prends une balle de Desert Eagle et je ne meurs même pas. Ça va faire mal. Voilà. Allez, vous avez tous les deux des désertes. On va récupérer les munes. Hop. Et hop. Ah, je le garde ce flingue, hein, c'est bon. C'est... il est adopté. Nate, j'ai un mauvais pressentiment. Je sais, moi tu aussi. Tu crois? On trouve elle voit ce truc, elle dit j'ai un mauvais pressentiment. Non. Sans déconner. Wow. Ils ont fait péter quoi, là? Ok, attends, guet-apens, là. Ils sont combien? Mais là, c'est trop, les gars, stop. Trop, c'est trop. Allez, crève. Un en moins. De deux. Trois. Et quatre. Ah, c'est une cartouche à mort. Cinq. Ah, j'ai une petite dernière. Qui veut ma dernière bastos, là? Toi? Et six. Pff, oh. Putain, front flip quoi. Oh non non, mais c'est pas vrai. C'est parti. Wow, 60 balles. Bah ouais, c'était lui en fait, le flingue de Hélène. Il a plein de balles dans le chargeur, c'est énorme. Tac tac, voilà. Donc bah je pense qu'on s'est débarrassé de tous les ennemis là. Ah non, pas du tout. Oh là, j'ai vu, t'as une M4, tu vas me la donner tout de suite. Ça va faire mal. Les laissez pas passer. Hop. Oh merde. Putain, il est en train de me défoncer. Toi, tu t'approches pas de moi avec ton pompe là. Qui c'est qui vient de me toucher là? Qui est le salopio? Et là. Hop, hop. C'était classe. Je récupère les balles. Ok, bah non, je sais pas, je me suis pris une balle perdue, le mec il était planqué ici. Je pensais qu'il y en avait... Oh, c'est un autre fusil à pompe. Le SAS-12. Attends, ramasse-le, mais ramasse ce putain de pompe. Ouais, c'est le problème. Je peux pas ramasser le pompe. Voilà, ça à mon avis, tu vois, c'est pas comme l'autre vieux pompe. Ça va bien one-shot comme il faut. Hein. Hop, pas ici. Tac. On continue à faire le tour. Une fois là. Est-ce que je peux? Yes. C'est parfait. Allez, on défonce ça. Là. Alors, ils sont où les derniers résistants là? Parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Hop. Ouais, ça sert à rien de faire ça, effectivement. Faut se laisser tomber là. Ok. J'espère qu'Hélène elle arrive à me suivre, hein, parce que je fais un peu mon mec qui fonce la tête baissée. Et elle doit être encore planquée là, et je crois que j'ai oublié les ennemis. Au pire, elle va se TP, hein. What? Quoi? Ah ouais, je spam la touche comme un gros connard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Oh, ça marche pas. Allez, 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 allez. Mais ça retombe, mais c'est quoi cette blague là? Faut attendre Hélène en fait. Attends, je l'ai entendu gémir là.
Eh mais là... Ah putain merde, ok, il fallait la faire passer par là. Bien joué. Allez, dépêche-toi maintenant, parce que j'ai besoin de toi apparemment pour continuer. Justement, on en parlait en plus. Alors... Tu vois, il y a cette magie qui fait que je ne peux pas tenir la porte là, longtemps. Je vais tenir ça pendant que tu tiens la porte ouverte. Allez, bah let's go. Je peux pas? What? Ah, c'est elle? Ok, ok. Donc finalement, c'est toi qui tiens la porte ouverte, quoi. Ça faut... Ah, d'accord. Alors, je vais me mettre en dessous. T'es prêt? Bon, tu peux lâcher. Doucement. Non, j'ai dit doucement. Ok. On est un bon suicidaire, ça va. Alors, c'est sympa par ici. Ouais, c'était vraiment habité comme endroit, en fait. Et ça a pas l'air si vieux que ça, hein. Peut-être des années 1800, 1900. Il y a eu quelque chose par ici. Alors attends. Parce que vous savez, tout à l'heure on avait vu les barres métalliques. Peut-être eu des installations sur cette île de la première guerre mondiale. Voilà la deuxième, c'est surtout la deuxième où beaucoup d'îles ont été réquisitionnées. Et là j'ai un sniper. Première fois du jeu. Qu'est-ce que tu fais toi là-bas? Je peux pas le viser. Mais putain, mais c'est pas possible. Mais le mec, il est même pas supposé avoir une vision sur moi. Dégage. Oh là là, les gars, vous déconnez là. C'est pas possible. Vas-y, on va prendre l'arme secondaire. Ah bah j'ai plus de balles. Ok. Allez, toi tu dégages. Tu dégages aussi. Mais les petits kickscopes là. Hing. Ok. On va récupérer une arme. Comment c'est méga stylé hein. Encore une grenade. Non, 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 non. Okay. Arrêtez avec ça, c'est dangereux. Okay. Ils sont où les derniers zigotos là? Allez-y. Ouais, bon, on va faire comme si on les avait pas vus. Enfin, c'est vrai, on les a pas vus, mais. Quoi? Tu te calmes? Non, mais. Je t'ai dit, tu te calmes. Voilà. C'est bon? Ok. Vas-y, on va récupérer son truc d'ailleurs. S'ils veulent bien. Ok, c'est bon. Non, attends. Toi, tu crèves. Non, mais non! Une patate, ça suffit pas. Heureusement qu'ils visent comme une merde. Hein. C'est pas le cas des autres. Voilà. Récupérer ses munes. Je sais pas. Si, si, si. Il y en avait qu'une, genre. C'est sûrement la bibliothèque. Par là. Bon, inutile de passer par la grande porte. Cherchons un autre moyen d'entrer. Ouvrons les yeux. Et pourquoi ne pas passer par la grande porte en fait? Je vois pas le. Je comprends pas l'idée. Là, il y a une vieille porte en bois, tu passes, c'est bon, c'est réglé. Hein. Et s'il y a des ennemis à l'intérieur, c'est pas un problème, il y a toujours eu des ennemis partout. Sans cesse. Là, c'est assez surprenant qu'un simple chercheur de runes arrive à tuer une armée. Aux Philippines. Oh, mec. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais je te jure, cette fille, elle pouvait aussi bien te planter un poignard dans le dos. C'était un petit bout de femme. Elle était grande comme rien du tout. On l'appelait la toupie, ouais, à cause de... Tu vas la fermer, ça fait 10 fois que tu nous répètes la même chose. Eh ouais, c'est vrai. T'as raison, ma mémoire est plus qu'elle était. Pourquoi ça te prend autant de temps d'abord? T'as peut-être pas remarqué, mais tous ces bouquins, ils sont à moitié pourris. Et écrits en espagnol. Ouais, bah mind-toi, hein. Chef, il a pas que ça à faire. Hé hey, là-haut! Oh merde. Le voilà. Attention! Oh là, celui, tu vas regretter. Ton trou de balle va regretter ta traîtrise. Attends. Et moi j'avais vu que 2 ennemis, hein. Pas 12. Allez, hop, headshot. Putain, et il est vraiment stylé le jeu. Une fois que tu t'es habitué au système de shoot. Non. Quoi? D'accord, donc en fait il te one shot littéralement. Ok, j'étais pas vraiment préparé à ça.
D'ailleurs, celui n'oublie pas, prépare Uranus toi aussi. Oh, tu dégages, donne-moi ta M4. Merci bien. Je pense que je vais les rejoindre en bas, ce sera plus simple. Ah, je peux pas. Ah, si, si, je peux. Vas-y, rejoins-les. Oh là là. Oh là 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 là, mais ils sont vraiment super nombreux. Mais non! Mais ils ont tous des lance-patates! Lance-patates, sniper, Desert Eagle, vas-y. Et moi, je suis supposé tous vous buter. Et je suis archéologue, hein, pas agent de la CIA en fait. Hein. Eh, un agent de la CIA, il crève dans une telle situation. Contre 12 commandos armés. Qu'est-ce que t'as essayé de faire? Arrête, arrête de fuir. Bien. Non, le jeu, je le trouve vraiment en avance sur son temps. Il y a les décors destructibles. Les... Enfin, voilà. Il aurait pu sortir. Franchement, il aurait pu sortir cette année. Avec un peu plus de contenu et des graphismes un peu plus léchés, on va dire. Ça pourrait être un Tomb Raider, quoi. Enfin, c'est un peu le but, en même temps que ça ressemble à Tomb Raider. C'est ça, quoi. Le dernier qui est sorti... il est juste plus beau et plus de contenu. Hein. C'est un peu la même chose. Alors attends. Hop. Je récupère ça. Enfin, il était temps que tu te pointes. Eh ben, t'as l'air plutôt en forme pour un mort. Alors t'as quand même ramené la fille, hein? La fille? Eh, si elle avait pas été là, personne serait venu te récupérer, tu sais. Si on peut parler de sauvetage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois reconnaître, Sully, que tout ça, c'est un peu louche. Ouais. Tu vois, toi, tu rencardes ces gars. Et vous réapparaissez miraculeusement vivant. Non mais attendez un peu, là. Roman a mis un contrat sur ma tête. J'étais bien obligé de gagner du temps. D'accord, c'était une erreur. J'avais pas pensé qu'ils essaieraient de nous suivre. Sully, on sera en train de rentrer à la maison avec le trésor si, pour une fois, t'avais su tenir ta langue. Et toi, t'aurais pu regarder mon pouls avant de t'enfuir et de me laisser pour mort. Bah, ça a plus d'importance maintenant. Très bien. Alors comment ça se fait que vous soyez sain et sauf, hein? Je vous jure que vous allez pas le croire. Hein? Pas possible. Ce vieux Francis a pris cette balle pour toi. Ouais. Je croyais que ce genre de truc arrivait que dans les films. Ouais, bah ça me fait encore un de ces mal, je vous raconte. Je me doute. Bref, une fois qu'ils ont vu que j'étais pas mort, j'ai convaincu Roman qu'il trouverait jamais le trésor sans mon aide. Alors depuis, j'ai essayé de les mener sur une fausse piste, tout ça en attendant que vous veniez. Alors où est-ce qu'ils sont, là? Eh ben, ils suivent la fausse piste que je leur ai préparée, de l'autre côté du monastère, bien à l'écart. Regarde. Drake avait tout prévu. Tu vois le symbole que les Espagnols utilisaient pour indiquer leur salle secrète? Le trésor est caché juste là, dans ce monastère. Trouvons le symbole... Et on trouve la salle, ouais. On a absolument tout ce qu'il faut, juste ici. Tous les indices qui nous mèneront droit au trésor. On va y arriver, petit. Ok. Les gars, vous n'allez pas encore faire les gentils et laisser la fille derrière, hein? N'y pense même pas, Célé. Elle a un méchant crochet droit. Je vais essayer de m'en rappeler. Cette salle... D'accord, donc en fait, Sully nous avait absolument pas trahi. Ah, moi, pour moi, c'était une sorte de... Ces statues sont étranges. C'était une couille qu'ils les avaient tirées à blanc et qu'ils avaient tout prévu pour me trahir, mais en fait, ok. C'est vrai que pour le coup, c'est assez filmique, le coup du... de l'objet qui tanque la balle. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a John, Matteo, Duke, Mark. Ok. Et là on voit, il y a une sorte... Comment ça s'appelle ça déjà? La rosée des vents. Alors qu'est-ce que je fais? Faut placer les statues dans le bon angle. Ouais, attends, si je fais ça là. Ok. Effectivement, on tourne la statue. Donc voyons voir. Comment ça va fonctionner ça? Ça, c'est l'ange Matteo. Alors, attends. Là, il pointe vers le nord, du coup. Et Matteo, il doit pointer vers le nord. C'est ça. Ok, c'est pour ça que j'avais cru que c'était déjà bon. Parce que Matteo, lui, était au bon emplacement. Et ensuite, donc, c'est John qui pointe vers l'est.
C'est vraiment des noms bizarres, ces statues-là. Voilà. Ok, c'était ça. Putain. C'était vraiment pas compliqué, mais je sais pas, pour moi, il n'y avait pas d'indice, en fait. Comme je vous l'expliquais, je pensais juste que c'était un schéma des statues. Alors qu'en réalité, bah, c'était la solution. Et elles n'étaient pas au bon emplacement de base. Alors, on est où, là? On se trouve sous la bibliothèque. Oh, encore une bibliothèque. Ok, quoi encore? Oh putain, c'est casse-couille là. C'est même pas des vraies énigmes. Tout le monde se plaint des énigmes dans les jeux vidéo en plus. Parce que t'as beau être bon en énigmes en général, mais les énigmes dans les jeux vidéo, mais OMG quoi. Ah bah ça va, suffisait de faire tourner les trucs. Ça a l'air prometteur. Ok, laisse-moi voir. Ouais. Ok. Vous bougez pas, je vais aller voir ça. Wow. Non, pas question que tu y ailles tout seul. Eh ouais, les hommes de Roman grouillent de partout. Ouais, et une personne fera beaucoup moins de bruit que trois. Allez, ça va aller. Et vous serez en sécurité ici. Ils connaissent même pas cette pièce. Ok, prends ça avec toi. Laisse-le sur le canal 13, ils l'utilisent pas. Et tiens-nous au courant. D'accord, ça marche. Referme ce truc. Ouais. Nate, sois prudent. Voyons. Je le suis toujours. Oh ! J'avais pas vu ça ! Ah ! Ok. Donc bah okay. Voilà, on arrive donc au chapitre 14, sous terre. Me voilà. Et en fait, c'est catacombes. Et ça m'a l'air très rassurant tout ça. Alors, malédiction ou pas, on le saura à l'épisode prochain. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Et je n'ai plus une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss !